Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines, la pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs vont être à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent, car vu les noms alignés sur la feuille de match, on va se régaler. Au passage, j'espère que vous appréciez ce stade. Plus un siège de vide. On est bavard, on en a même manqué le coup d'envoi. À votre avis, Darren, qui fera la différence dans cette rencontre? Pour moi, sans doute, Ivan Rakitic. C'est un joueur tellement intelligent, il anticipe parfaitement les appels de ses coéquipiers. Cavani, et c'est le but! Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. C'est clair qu'il ne lui a pas fallu longtemps pour démontrer tout son talent, encore une fois. Il a joué juste dans le dos du dernier défenseur, pile au moment où il fallait. Eh bien, on n'aura pas attendu longtemps pour voir du spectacle dans cette rencontre. Jean Moutinho. Il cherche la profondeur. Cristiano Ronaldo. Dans la profondeur. Oh, la frappe! C'était bien joué, dommage. Mais quel vista là, quelle vision du jeu et ce petit ballon piqué en profondeur. Ballon intercepté, ça soulage la défense. C'était une bonne intervention. Mais il était bien présent. Un ballon envoyé en hauteur et il jaillit pour prendre ce ballon. Un long ballon vers l'avant. Cavani! La longue passe. Il est passé droit. Superbe arrêt effectué par Ederson. Oh, c'est un arrêt important, ça! Et voilà une façon de faire briller le gardien. Premier corner dans cette rencontre. Quelle détente! Une autre chance. Un autre tir. Et le gardien est présent! Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. Bon dégagement. Il allonge. Lucas, belle intervention. Quelle passe. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus. Faut tirer là. Oh, le poteau. Oh, c'était une jolie frappe. C'est un bon tir, c'était bien tenté. Cristiano Ronaldo reçoit le ballon. Il allonge vers l'avant. Désier. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Brandt qui concède un coup franc. Kimi. Et le ballon est sorti. Touche. Il y a peut-être un coup à jouer. Ça défend comme ça peut. La bonne interception. Bien, la profondeur. Non, ça manque d'application. Il décide d'allonger le jeu. S'il le trouve. Hernandez. Dans la profondeur, bien vu. Il voit sa passe interceptée. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne, c'est aussi simple que ça. Cavani. Bien repoussé par le gardien. Ah, ça c'est magnifique. Chapeau. C'est la mi-temps, les joueurs vont pouvoir reprendre leur souffle, et nous aussi d'ailleurs. Les deux équipes regagnent donc le vestiaire avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Même s'ils ont pris du retard, il ne faut surtout pas paniquer. Il faut rester solidaire. Le match est loin d'être terminé.
l'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période. Bon, j'avais fait un peu mon captain obvious, mais il reste encore toute une mi-temps. Il n'y a pas de quoi s'affoler non plus. Kimi. Il est sorti du jeu. Matuidi qui récupère ce ballon. Dommage que cette passe soit interceptée, ça aurait pu être une occasion. Ah, il manque de bol là, mais il faut qu'il soit plus tranchant. Oh, la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Corner ! Oh, c'est dedans ! Oh, qu'ils sont bien entrés dans cette seconde période. Oh, il était bien placé ce ballon, tout simplement imparable. Le gardien était battu, il ne pouvait rien faire sur ce coup-là. Voilà ce qu'on appelle un coaching gagnant. Il a marqué quasiment sur son premier ballon. Quelle efficacité! Dembélé sanctionné par l'arbitre. Quelle séquence de passes! Collectivement, c'est parfait! Ah, il n'a pas pu se mettre en position de frappe, c'est rageant. Ça ne passera pas. Ça joue long vers l'avant. Roller, le ballon piqué sur le côté. Le bon dribble. La frappe! Et il trompe le gardien! Quel comeback! On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même! Ils ont pris l'avantage, il faut continuer maintenant. Ils sont dans un gros temps fort. Attention, ça pourrait faire très très mal. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on! Allez, l'heure n'est plus au calcul. Exactement, oui. Le bon jaillissement. C'est une faute, l'arbitre intervient. Et geste mal maîtrisé, logique cette sanction, carton jaune. David Luiz, Fabinho, Ramsey, Brandt. Quelle intervention de Marquinhos! Ce ballon bien dosé dans le dos de la défense. David Luiz. Dembélé, il tente de la jouer dans l'espace. C'est bien intercepté. Ça manque de finition tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Oh, voici Immobile. Vira. Oh, voici Dembélé. C'est joué dans la profondeur. Oh, l'inspiration! La frappe, attention! C'est au fond du filet! C'est peut-être un pas de géant vers la victoire! Le gardien était bien présent sur la première tentative, mais il n'a rien pu faire sur la deuxième! C'est vrai que ce genre de bourre peut arriver même au meilleur. Le truc maintenant, c'est qu'il faut absolument et très rapidement se reconcentrer. Deux buts d'avance, ça fait du bien, oui, on lise BP! Et c'est un but! Yes, 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 yes! Plus qu'un but de retard, il faut continuer! Attention, plus qu'un but d'écart entre les deux équipes. C'est bien joué, ils sont de nouveau dans le coup. Il y aura d'autres occasions aussi, à condition d'être patient. Et ils n'attendent plus qu'une seule chose maintenant, le coup de sifflet final. C'est joué long. Romagnoli. L'arbitre consulte son chronomètre. Avec Dembélé. Vira. Va-t-il en profiter? Dembélé!
Oh, quel bel arrêt! Quelle classe! C'était un arrêt extraordinaire! Il va certainement tenter de déposer le ballon sur la tête d'un coéquipier. Il sent très fort dans cet exercice. Et un bon centre dans la surface. Et la défense. Quelle reprise de volée! Et le match s'achève sur cette ultime occasion. Sincèrement, il mérite tous les superlatifs après un tel scénario. Rester calme dans un tel match et renverser la situation